Salut ami brasseur, il est important de bien nettoyer la vanne de votre fermenteur. En effet, c'est une source d'infection potentielle. Il faut premièrement retirer la poignée rouge en tirant dessus. Dessus, on y retrouve des petits picots qui vont permettre de dévisser la bague intérieure. Ensuite, on dévisse la bague intérieure. Une fois la bague intérieure retirée, on peut maintenant retirer la sphère. C'est ça qui assure l'étanchéité de la vanne. Maintenant, on a démonté l'intégralité des pièces intérieures. On va pouvoir les nettoyer individuellement. Donc la sphère, la bague et le corps de la vanne. On peut même aller le démonter complètement pour le nettoyer plus en profondeur. Maintenant, on peut le remonter. Donc on replace la sphère, la bague, et on la revisse avec les picots de la poignée. On va y arriver. Voilà, on serre bien. Et il n'y a plus qu'à remettre la poignée. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. À bientôt !